Bonjour tout le monde, ici Jake pour Eva Sound Studio. On est sur New Pokémon Snap. On poursuit l'aventure tranquillement, pépère. Et on va se geler les miches aujourd'hui. On va aller dans la neige. Je veux juste vous dire un truc, c'est que j'étais prêt en avance en fait. Vraiment hyper prêt en avance. Jusqu'à ce que je lance le logiciel Streamlabs. Qui a décidé aujourd'hui de faire la grève totale, vraiment la plus totale. Et du coup, à 13h20, je me suis retrouvé à devoir le lancer 4 ou 5 fois. C'était horrible. Il reconnaissait plus rien. J'ai dû refaire certains réglages en entier. C'était un petit peu affreux. Mais bon, ça fonctionne. C'est le principal. Si maintenant le petit Robert veut bien me laisser mon retour, ce serait chouette. Voilà. Du coup, New Pokémon Snap. On va y aller tranquillement, hein, il n'y a pas de mission, le labo, on n'a pas besoin d'y passer, du coup on va y aller. On va prendre nos skis, le bonnet, l'écharpe, et on va aller à la plaine, bah justement, la plaine Frisquette, une plaine recouverte d'un perpétuel manteau de neige et de glace. Alors, je vais essayer juste de fermer ça de l'autre côté, parce que je n'arrive pas à le fermer. Voilà, c'est bon. Pleine Frisquette, c'est parti. Ah, pleine jour, ça veut dire qu'on va avoir une pleine de nuit. Ça, c'est chouette. Quel type de Pokémon va-t-on voir? Des Pokémon glace, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut voir d'autre à part des Pokémon glace? Peut-être des Pokémon eau. Peut-être du dragon. Peut-être Articodin. Oh mon dieu, il y a un oiseau là. On vient de voir passer un oiseau. Hein. On vient de voir passer un oiseau. Et un Pokémon touffu. Je sais plus comment il s'appelle. Fouinard. Ah, c'est vrai que j'ai pas encore les orbes. C'est une nouvelle région. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Un Polagriffe. Tu veux bien te tourner? Ah, il est magnifique. J'aime beaucoup ce Pokémon. De la neige. Ah, une fleur juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? Des polarumes. Ça doit être les petits du polagriffe, je pense. Je tourne vite. Allez, on y arrive. Ah, je vais prendre la photo de la fleur. D'accord, si tu veux. Et des trous. Oh, il se cache, le pauvre. Et on rentre direct. C'est une grotte, là? C'est quoi? Ah non, c'est pas une grotte. C'est quoi ce Pokémon oiseau là? Il me dit quelque chose. Mais j'arrive pas à savoir quoi. Un Pokémon de. Un peu oiseau métallique, je sais plus comment il s'appelle. Je sais que dans un des jeux Pokémon, il m'avait posé problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Mamochon. Des Mamochons. Ah lui là. Ah j'ai raté. Armurel, je crois qu'il s'appelle. Ça là. Armure, voilà. Hop là. Il va se poser. Ah! Bon, je l'ai pris en toupie, mais je sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Un marcarin. Marcacrin. Des! Ils sont plusieurs. Bon, pour l'instant, je peux pas. Je peux accélérer dans la nouvelle zone ou pas? Ah oui. Ils sont choupinous. On est au sommet de la montagne. J'ai l'impression d'être à Dunmorog dans World of Warcraft. Là où il y a Forge de Fer, la capitale des nains. Sauf que, il y a des Pokémon. Ah, on a un cri. Oh là, c'est une glissade. Je ne contrôle pas la vitesse. Qu'est-ce que c'est? Des sales gamins. Des sales gamins d'ailleurs. C'est où qu'on tourne là-bas? Il y a un Pokémon là, je crois. Non. Toujours les grottes. Est-ce qu'on considère ça comme une grotte ou comme une caverne? Quelle est la différence? C'est une bonne question ça. Quelle est la différence entre une grotte et une caverne? Je ne sais pas du tout en vrai. Oh, Nonigalali.
ça résonne. Cela résonne. Au Bali, un pingouin. C'est un tipou. Un petit tipou. C'est très la griffe là derrière. Oh, original. Ah ouais, ça fait très griffe. Petit plouf là-bas. Si je peux l'avoir en plus gros plan, tant mieux. Oh, mais c'est bientôt la fin. Déjà? Ce fut rapide. Mais attendez, il est pas sous le petit plouf. Il est là-bas, mais... C'est que je ne le vois pas, surtout. Pas assez grand. Bah lui... Ah, tipou. Oh, les sources chaudes, c'est rigolo. Un peu la griffe. Pour la griffe, du coup, je l'ai croisé en trois positions différentes. Courir, debout, coucher. Ça peut faire trois photos de 1, 2, 3 étoiles, ça, voire même 4. On verra bien. C'est le suspense. Attendez, je vais vérifier quelque chose, excusez-moi. Je crois que vous aviez un écho et que personne n'a rien dit. Normalement, il n'y a plus d'écho là. Normalement. Alors. Je vais mettre la 2 étoiles. Pour la griffe. Bah, il y a la 1 étoile, il y a la 2 étoiles, il y a la 3 étoiles. Mettre la 3. Polarume. Mettre ça là. Tiplouf. 7 photos d'un tiplouf. Ah. La 5 ou la 6. Je mettrai la 5. Elle est un peu plus cadrée, même si c'est moins zoomé. Ah, il est pas en entier, mais il est quand même sur quasiment toute la photo. Là, il est bien aussi. Je vais mettre celle-là. Hermure. Je vais mettre la 4 étoiles direct, on va pas réfléchir. Marque à crin. Celle-là. Stalgamin. Bon, bah, il y a celle-là. Oniglali. Celle-là. Et Obali. Étoiles. C'est quoi la différence entre celle-là et celle-là? Pardon, excusez-moi. Entre celle-là et celle-là. Ah, il est juste retourné là, non, d'accord. Bon, on va mettre celle-là alors dans ce cas. Et je peux pas mettre la fleur de cristal. Mais c'est qu'il va y avoir une Quina ici aussi, je pense. Quina. Ok, une bonne photo. Enfin, une moyenne photo. Ah, dommage, si près du diamant. Yes, t'es pas sur du diamant, sur le mammouth, mais en fait c'est pas ça. Là je sais pas. Il est bien zoomé, pas cadré. Oh, diamant quand même. Nickel. J'ai de l'or là, le diamant ça m'étonnerait. Ah, même pas, de l'argent. Bon, mais comme quoi. Et mon sale gamin. Ok. On est d'Ali. Je suis un peu déçu de ça là, je pensais qu'elle ferait un peu plus. Tant pis, c'est pas grave. Allez, professeur, tu vas nous dire que les recherches ont bien avancé.
25 000. Bon, on les a les 25 000 niveau 2. Voilà. Dans 54 000. Je dirais 3 passages, 3-4 passages de plus. Vous avez effectué votre première mission d'exploration à Adamantia. Revue de sommeil. Des nouveaux 150 Pokémon dans le Pokédex. De la glace. De l'acier. Oh mon dieu, c'était le premier Pokémon acier. D'accord. Photographe pro. Et voilà, les recherches ont bien avancé. Voilà, fait. Évidemment. Et des nouvelles missions au passage. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Incroyable toute cette neige, il ne neige jamais sur Anthos. Je n'ai donc pas souvent l'occasion d'admirer un tel paysage. D'ailleurs, j'adorerais voir à quoi il ressemble de nuit. Tiens donc, que dirais-tu d'une petite balade nocturne? Si tu observes le phénomène Lumina en chemin, n'oublie pas de le prendre en photo. Et oui, pour ensuite jeter les orbes. Alors, Y, l'émission. Les acrobaties d'armure. J'adore regarder les armures voler, ils font souvent des trucs stylés. Je te parie que je peux les prendre en photo en mieux que toi. Bah en fait, c'est la photo que je viens de prendre là. Donnez-moi les missions avant, sérieusement. Oh là là. Bah vu qu'il y a le phénomène Lumina à vérifier, à prendre en photo, il vaut mieux partir à la pleine nuit maintenant là de suite. On va voir. Il y a des choses derrière. Ok, il est passé devant. Hop là, des Graiena. D'accord, il a gratté la terre. Il gratte la terre. Ils sont stylés ces Pokémon. Ah bah tiens. Oh, ils ont peur les pauvres. Le Graiena il tourne autour. Il m'aboie dessus. Ah, il s'en va. Ah. Il y a peut-être une bonne photo des Stalgama. Alors, la fleur n'était pas illuminée, ou alors je sais, je l'ai peut-être raté bien comme il faut, mais. Attention à la chute! Ah non, c'est après. Allez. Voilà, c'est bon, final. Oh non, il a sauté. C'est beau, un ciel étoilé, quand même. Là-bas, il y a l'alien. J'ai vu passer un oiseau dans le ciel. Voilà, c'est un aigle que j'ai complètement raté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était une fleur de cristal. On aurait dit de la lave en dessous. Et l'oiseau là? Ah, j'ai du mal à l'attraper. Là, il va trop vite. Disons, il va repasser par là. Par là peut-être. Non? Ah non, il s'est barré. Mince. Mince, mince. C'est quoi ça? Bizarroi. Je ne connais pas ce Pokémon.
Oui. Hop là. Oh, t'es choupi, toi. Cas d'oiseau. Ah, t'es. Y a un truc derrière. Non? Ah non. Ah, faudra regarder sur la droite. Il y a l'air d'avoir un passage. Qu'est-ce que c'est que ça? Des Liputous! Il y a des Liputous! Trop bien! J'adore ce Pokémon. Il n'y a pas que des Liputous, il y a des Sorbou. Comment ça s'appelle? Sor? Sorbouboule. Un Sorbouboule. La fleur. Liputous. Liputous encore. On dirait un peu Xena la guerrière quand même. Allez, fais gros. Non, il veut plus. Ah, il me regarde. Ok. On sort Bouboule. Je l'ai eu ou pas? Je dirais oui. Oula, c'est la réunion des Pokémon là. Il me reste que 11. Bizarre. On dirait un Père Noël, bizarre lui. Pour Bali. Il y a un gros Pokémon derrière. C'est quoi ça, des types ouf? Je suis bête, je peux leur lancer de pommes. J'ai lancé aucune pomme depuis le début. J'ai complètement oublié. Oh! Un Goupix. Forme d'Alola. Comment ça, Goupix, forme d'Alola? Mais on n'est absolument pas à Alola. La fleur. Il reste une photo à prendre. La sortie est juste là. Est-ce que je peux avoir un petit plouf d'ici là? Non, ils sont beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Alors attention. Ça va être un bon score. On va avoir passé le niveau de direct. Alors. En 3 étoiles, en 2. C'est quoi là? Ça, c'est juste prendre en photo normale. Là, il est quoi? Il est en pause. Ouais, il pose et il regarde bien la caméra. Ça, c'est un bon score là, 13. Il a 3 étoiles. Il a 3 étoiles, il renifle. Pour l'instant. Ah, il fait graou là. La 14, elle est bien, il fait graou. À la 16 parce qu'il est mieux cadré. Il est plus centré aussi. Allez go. Stalgamin en une étoile. Et là 2. Et là il saute. Mais ils sont mieux comme ça. Dommage. Ils sont pas. Toi c'est bon. Ah. Bon à la 5 parce qu'il y a un peu plus d'éclairage. Coucou la forme, ce jeu me rappelle tellement de souvenirs. Salut Kotraf, ça va tranquillement et toi? Et oui, version Nintendo 64 à l'époque. Mais j'ai pas l'impression, tu vois, de jouer au même jeu. C'est clairement une grosse nouveauté. Ah. En deux, mais en deux, c'est juste il est posé. Je vais mettre la 2 quand même. Ouais, c'est bon, certes, c'est un safari photo Pokémon. Mais il y a un peu plus de sensibilisation, de recherche derrière. Mais il n'y a plus besoin de jeter le caillou. C'est vraiment que les pommes. Et le lore est un peu plus approfondi, même si vraiment de lore, y a, pour moi, il n'y a que le mot, hein, en vrai. L'histoire est quand même. Enfin, par rapport à 64, oui, il y a plus d'histoire, mais en vrai, il n'y a pas tant d'histoire que ça. En deux. Oh, en deux, il n'y en a qu'une.
Bon bah c'est ça. Sors Bouboule. Ah. Et la 2. Ah non, la 6. Ce sera la 6. Tiplouf. Quand il glisse, c'est en 3 étoiles. Je comprends pas pourquoi celle-là est en 4 étoiles, mais bon, 4 étoiles, ça se refuse pas. Goupix. Goupix, je l'ai pas eu de face. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi Goupix forme d'Alola. Nous ne sommes absolument pas à Alola. Donc, l'histoire des Pokémon Alola, là, elle en prend un coup. Je suis un peu déçu. La fleur, on va prendre ça. Et aucune donnée. Ouais, c'est que j'avais pas réussi à le centrer. Il y a le signe. Allez, diamant. Auto-diamant sur ça. Auto-diamant. Yes. Il a déménagé où il fait froid. Bah les deux. Là c'est la neige donc les deux. J'aurais pu prévoir un peu de RP avec le bonnet, l'écharpe. Enfin, en vrai j'ai 4 mètres à faire si j'ai besoin de plus roleplay. Mais... Disons que j'ai pas forcément envie de mettre le bonnet et l'écharpe là maintenant. Il fait pas chaud mais il fait pas frais non plus. Il doit faire 18 chez moi. Ouais, il fait 18. L'oiseau est beaucoup trop loin. Ah, 3200 quand même. D'accord, je m'attendais à pire. Okay. 18, c'est pas froid à 18? Ah ouais, ah non. Dis-toi que je mets pas le chauffage s'il fait je mets le chauffage qu'à partir de où il fait un peu moins de 14. Sinon je le mets pas. Je mets des pulls, des vestes, des écharpes à la limite. Mais par, non, non, par économie et par un peu de souci environnement, je mets pas le chauffage plus haut, c'est clair. Puis après le PC chauffe un peu. C'est pas mal. Allez, 45 000, est-ce que... Oh, ça fait beaucoup 45 000. C'est bien ce qui me semblait, ça fait beaucoup 45 000 pour une visite. photos, une étoile. 30 photos de type vol. 60 zones en vous servant du radar. Pas fait que 60 fois, c'est pas possible. Ça m'étonnerait quand même. À propos, les recherches ont avancé. Maintenant, on va pouvoir lancer des orbes. Oh là là, quelle surprise! Quelle grande surprise! Les messages du professeur, à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on vraiment il y a des objectifs sont atteints. Ce sont les mêmes messages au mot près. Et ça, je trouve ça dommage. Ils auraient pu faire des dialogues un peu différents. Voilà, par exemple, ça. Voilà ça, les orbes. Même texte, même position, même image. Allez, petite mission. Le rythme dans la peau. J'ai vu un fouinard absolument adorable tout à l'heure. Si seulement tu avais été là pour le voir danser, tu aurais fondu toi aussi. Ah, ça, ça peut le faire. Hurlement à la meute. Et juste après, un Graina s'est mis à hurler vers le ciel. Faut rassembler des Graina et les voir hurler ensemble, d'accord. Toi, t'es hyper difficile à prendre en photo. Les guerriers-aigles sont des Pokémon très fiers qui font difficilement confiance aux autres. En gros, faut lui donner des pommes. Sans le toucher. Et on repart de nuit. C'est pas un core game Pokémon. Non, non, clairement pas. C'est un jeu de chill. Hein, en fait. C'est vraiment un jeu super tranquille. C'est pas vraiment un jeu de tryhard. Mais dans l'aspect tryhard de ce jeu, c'est vraiment aller chercher la photo parfaite. Noter diamant. Voilà. Oui. Mais c'est le seul truc
peut y avoir. Non, ils veulent pas hurler. Il y a des choses là, attendez. Ah non, je pensais que le tronc était creux, mais peut-être pas. Oh, Tiplouf! Viens là! Tiplouf! Non, il a peur, il va se faire manger par les Grayenas. Toi! Qui sont les fouinards? Tiens, tant qu'à faire, à prendre une belle photo de fleur. Normalement, il y a le fouinard qui attrape le sale gamin là. Il est où? Là. Non, il s'en fiche. Bon, c'est pas grave. Le petit passage. Ici. Donc, si j'ai bien compris, la pomme, quand tu les frappes avec, ça fait comme le caillou. Oui, ils peuvent sentir une agression, mais après, ils peuvent se nourrir de la pomme aussi au passage. Oh, il est trop mignon! Je vais te montrer après. Ça, et puis ça, en vrai, ça dépend des Pokémon. Regarde. Raté. Raté. Voilà, il m'aboie dessus parce qu'il m'a vu, mais c'est bon. Touché. Il s'en bat les steaks. Bon, lui, ça fonctionne pas. Oui, oiseau, je l'ai eu. Ah, trop bien. Attendez, ils vont hurler là, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Un sablero? Non, arrêtez avec les formes d'Alola. On n'est pas Alola. C'est pas vrai. Mange la pomme. Ah. Intéressé par la pomme? Oui, intéressé par la pomme, yes. Content? Oh, moi aussi. Patte. C'est quoi ça? Un sale gamin. Ah. Intéressé par la pomme? Ok, nickel. Y'a pas l'ours? Ah non, c'est pas l'ours, c'est le bizarre. Est-ce que je peux te réveiller? Voilà, là je l'ai touché avec la pomme, il bouge. Non, non, tonne-toi. Il veut pas. Attention à la glissade. Attention. Oui, toi! Ouh, je sais pas. Alola, c'était des îles et tu es clairement sur des îles. C'est pas si impossible. Les gens migrent, les Pokémon peuvent peut-être. Oui. Ah, mais il y en avait un là-haut, Lipoutou, là. Il est trop classe, ce Pokémon. Il y a une fleur par là, je crois. Ouais, elle est derrière. Ah, c'est. Un peu d'éclairage, ça fait pas de mal. Oh, il danse! Ils veulent pas redanser? Non? La petite chorégraphie du couteau, magnifique. Ah, ils sont cognés aussi. Ok. Salut Garfried. Est-ce que c'est aussi magique que le premier? Bah déjà par rapport au premier, les graphismes, il n'y a pas photo, c'est pas pareil. Mais après, il y a 20 ans d'écart. Hein. Il bouge. Les Tipouf, ils avaient réagi tout à l'heure. Ils avaient glissé. Allez, les Tipouf. Vous avez glissé tout à l'heure. Oui, voilà, c'est bien. J'ai plus de photos. Mince. Mince. Je ne pourrais pas prendre les derniers Pokémon manquants. Après. 20 ans. Je ne peux pas dire les choses comme ça. 20 ans, hein. Alors, en une, en deux, ce serait la deux.
La 11. La 11. Ce sera la 11. Tiplouf en 3 étoiles. Ah. Ah, je sais pas. La 1 ou la 3? Non, la 1. Hein. Ouais, la 1. Mais elle est pas bonne, la photo. Elle est vraiment pas bonne. Ok, et en 3? En 3, il saute juste. Bon, d'accord. Sors Bouboule. Bon, ben voilà. Hein. Fouinard. C'est que du 1 étoile? Pas un énorme score. L'aigle, bon, l'aigle, le score sera amélioré. Sablero, ah, il y a du 1 et du 2, mince. En 1, il court. En 2, il creuse. C'est un là parce qu'il est plus centré. Bizarrois. Ah, là, il est loin. Mais il est centré, on le voit de face. Là, il est un peu plus proche. Mais il n'est pas centré. Enfin, il n'est pas centré, on le voit pas de face. Pardon. Ah, je sais pas. Ça, ça va être une photo à 3000 et quelques. Mais ça, ça peut être un peu plus, hein. Je vais tenter ça. 4 oiseaux, bon, il n'y en a qu'une. Lipoutou en 4 étoiles. Bon, ben la meilleure. Hein. C'est Céline Dion. Là, c'est l'opéra. 13, j'aime bien la 13. J'aime beaucoup la 13, même. Là, c'est dommage, il y a le stalactite devant. Là, pour l'instant, je reste sur la 13. Ils sont excellents, les Lipoutous. Ah ouais. Sont beaucoup trop bien. Je vais rester sur la 13. J'aime vraiment beaucoup ça. La fleur de cristal. C'est tout? Ah ouais, c'était un tout petit score en fait. Hein. Belle photo. Sablero. Ah quand même. Ah quand même. Quasiment 4000. Lui il va être difficile à prendre en photo. Hein. Il va être très difficile à prendre en photo. Ouais, on part sur ça. Mais du coup, j'ai pas regardé dans mince. Comment on appelle ça? Dans le canyon. J'ai pas regardé dans le canyon. Niveau 2 de la nuit. Tu atteins un nouveau niveau, ouvre bien l'œil, etc. Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire? Les recherches ont avancé. Je parie qu'il va nous donner l'accès à la... Mince, à la source Lumina. Le chargement sur 20. Professeur, il paraît que vous avez découvert un nouveau site de téléportation. Un signal venant du sous-sol d'Adamantia. C'est encore une autre zone. Je croyais que c'était la source Lumina. Ça veut dire qu'on va faire de la spéléo. Plusieurs chemins à... Ah mince, il y a encore une autre zone. Ce jeu ne se finira jamais.
Est-ce que tu as 2 secondes? Alors oui, mais je vais les chronométrer. Voilà, c'est fini. Je sais pas si le professeur t'a déjà prévenu. Mais il nous autorise à aller explorer la plage de nuit. Ah! Enfin! C'est pas trop tôt! C'est pas génial ça! J'ai hâte d'y retourner. Mais est-ce que ça va être pareil pour les récifs? Alors, démission. Je regarde ça en suivant. Démission. Un endroit calme pour dormir. On trouve souvent des Pokémon à l'intérieur des cavités comme celle-ci. Faut avoir des yeux, hein. Faut vraiment avoir des yeux. Le cadeau de Cadoiseau. Cadoiseau a toujours l'air occupé, mais j'aimerais bien qu'on soit copains. Comment faire pour me rapprocher de lui? Bah, les pommes. Je vois pas. Bon, l'exploration. Alors, on va faire un petit point sur la plage de nuit, etc. Là. Oui, la nouvelle zone. On regarde ça après. Ah! Alors. Non, c'est on n'a pas accès au récif de nuit. Mais la plage, y a accès à la nuit, maintenant. D'accord. Donc, plage de nuit. Bon, du coup, pour ça, on fera attendre pour un prochain stream. On attendra d'avoir accès au récif de nuit pour aller dedans. Comme pour l'autre fois en jour. Donc, voilà, ça, on ne va pas y aller aujourd'hui. Il y a cette histoire de grotte, là. C'est vraiment une autre zone. Et il y a plein d'îles, là, en fait. Regardez. Il y a plein d'îles. En fait, le jeu est loin d'être terminé. Bon, on va rester sur la plaine Frisquette pour le moment. Et on va aller en jour, en nuit, en jour, en nuit. En jour. On va rester sur du jour. Les petites neiges là. Alors. Il paraît que tu sais danser. Bah, je me suis pris un vent. Tu veux pas danser? Bonjour. Bonjour monsieur Paul Agriffe. Pas content. Pas content le Paul Agriffe. Voilà, voilà, je sais, j'arrive. Il est où le bruit? Ça, c'est quoi ça? Ça c'est un peu la griffe, mais il fait peur à quelque chose? Ah oui. Ah non, il y a les petits! Oh, il a eu peur. Pardon. Pardon, petit ours. Wow! Il a fait un bond, lui! Je l'avais pas vu. Je l'avais vraiment pas vu. Ils ont bugué? Ah non, non, ils se déplacent, pardon. Je croyais qu'il avait vraiment bugué. Ah, il réagit pas. Il y a les oiseaux là. L'oiseau, il va faire quelque chose. Raté. Alors mammouth. Tu veux pas une pomme? C'est cadeau. Ah. Cadeau la pomme. Non, pas la pomme. Bon, attends, c'est pas grave. Oiseau, oui. Ah. Ah non, pas d'oiseau. Oh. Bonjour. Je m'y attendais pas à le voir lui. Ça fait longtemps qu'on en avait pas croisé dans la vie. Là il y a un truc. Non. Ah non. Comment est-ce qu'ils font pour se nourrir les Pokémon immenses? Alors là. Non, la glissade. Qu'est-ce que c'est? Des frissonnilles. Je ne connais pas ce Pokémon. Pourquoi tu trembles tout le temps, toi?
On dirait moi, quoi. Wow, le oiseau! L'oiseau! Tu manges des pommes? Il a fait un cri strident. C'était horrible. Horrible. Ah! Tout à l'heure, c'était son évolution. Arrêtez les stalactites, vous me gênez. Oh! Non, c'est même pas des stalactites, c'est des stalagmites, pardon. Parce qu'un stalactite, ça tombe, un stalagmite, ça monte. Alors, il me reste 32 photos à prendre. Ah! Réaction! Il mange la pomme. Il a... Non. Ça mange pas de pomme. Ok. Bon, Goupix. Il y avait des petits ploufs en gros plan l'autre fois. Il y en a, Goupix. Il s'en fout, mais à un point... Là, Goupix. Goupix. Pas de Goupix. Ah, oui, petit plouf. Ah. Mais ça mange pas de pommes dans la montagne, en fait. C'est pas un fruit de montagne, la pomme. Allez, on se réveille. C'est déjà fini. Mince. J'ai pris énormément de photos là. Alors, Fuinard. J'aime beaucoup Saint-La, mais niveau score, c'est Saint-La qui sera la mienne. Paul Agriffe, en 1 et en 3. Bon, mais ça sera en 3. En 2, pardon, en 2. Ah, la 2. Polarum. Il est difficile à prendre en photo correctement Polarum. Pourquoi celle-là est en 2 étoiles? Ok. Mamochon. Oh les petits papillons. Ça va faire un mauvais score, mais j'aurai au moins un prismillon de neige, de glace, je sais pas comment on peut le nommer. Frissoni, ouais mais Frissoni, mais ce score il va être mauvais, on le voit même pas le Pokémon. J'aurais quoi, 1400 et à peine. Stalgamin, ah une étoile. Hermure en 1 et en 2, en 2 c'est qu'un écrit, d'accord. Momartic, c'est que du 1 étoile. Alors la 4. Ou la 2. La 2. Ce sera la 2. Obali. Bon ben voilà. Goupix. Bon, faut retenir qu'il y a le Pokémon très difficile à prendre. Au moment où on glisse, faut vite se retourner. Faut que je le retienne. Pas photo, c'est... Ouais, vite. Ah, la photo est moins bonne, des types loups. D'accord, dommage. Frissoni, ouais, non. Score nul, score nul. Ah non, quand même, 2300. Bon, c'est pas un bon score, mais je m'attendais à pire. Diamant de justesse. Combien pour lui? Oh, le diamant est raté de peu, quoi. Plus.
Au Bali. Ouais, c'est le cadrage. Bon, bah, voilà. En fait, la zone montagne est pas simple. Hein. Les Pokémon sont vraiment pas simples à prendre en photo. Allez, 24 000. On y retourne pour 24 000. Est-ce que je peux avoir le 24 000 en une fois? Ça, c'est la question. Est-ce que le 24 000 peut tomber en une fois? Alors. Est-ce que tu manges des pommes? Mais arrête de t'en aller! Je te donne des pommes, regarde! Ah! Il mange des pommes! D'accord. Mmh. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que. Il y a un truc là! Un dimoré! C'est quoi ça, un dimoré? Ok. Et le petit, il est où? Je peux même pas prendre en photo le petit? Ah si, il est là. J'ai même amené un fouinard à la ligue tellement j'étais fan. Bah... T'as ramené le fouinard à la ligue? Bon, j'aime beaucoup le Pokémon fouinard. Juste parce que enfin, pour son design. Je sais pas si on peut appeler ça un design. Il glisse. Le pauvre. Mais pourquoi le ramener à la ligue, le pauvre? Il a dû se faire démonter, le pauvre fouinard, à la ligue. Oh mon dieu, il saute! Ah, attendez, la faille, elle est là. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. T'es, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Tu m'étonnes. Bonjour, Prismillon. Tout à l'heure, il y avait un sablero. Il y a eux, là. Les dimorés. Ils faisaient partie de mon équipe. Il était increvable. D'accord. Et non, il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose. Il y avait quelque chose. Ah. La glissade. Et là, il va falloir tourner la caméra. Ici. Top. Allez. Il a réagi. Il a réagi. Non. Oh. Il n'y a pas de chemin alternatif pour le moment là-dedans. Pourquoi t'es bloqué? Pourquoi mon vaisseau s'est arrêté? Ah bon. Tout à l'heure, ça parlait des choses dans les crevasses là. Ça s'installe, gamin. Il y a derrière, il y avait l'oiseau. L'oiseau, il est pas venu. Ah si, il est là. J'ai rien dit. Ah, j'ai raté. Demi-tour. Oh, il y avait une photo à prendre là. Ouais, Goopix. Ça c'est fait. Un peu raté, je crois. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut rattraper le Goopix?
On va voir un petit pouf, un gros plan. Un petit pouf, c'est pas simple non plus, ils sont beaucoup trop petits. Ça réagit pas. Vite, 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 vite. La fin est trop brute, là. Il y a trop de choses à faire sur la fin, je trouve. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire dans les évaluations? Alors, en 1, on a du 3007 ou du 3004. Il est trop choupignon. Les deux sont améliorables là. Je mettrai la 9. La 8 même, plutôt la 8. La 8, ce sera la 8. Et non, en vrai. Je vais la mettre dans l'album du Photodex. Alors, pour la griffe, en 1 étoile. Bah, ça va être quand il dort. Hein. Ouais. Dimoré, j'ai du 1 étoile et du 2 étoiles. C'est quoi la différence? Attendez. 1 étoile, 2 étoiles. Ah, 2 étoiles là, ok. Polarum. Bah, Polarum. Ah, attendez. Ah, doucement, doucement. Marque à crin. 3004, 3003. 3004, 3003. Voilà, attendez, le prix mignon, il peut faire un meilleur score là. Soit celle-là. Ah. Non, enfin 4004 quand même, c'est hyper élevé. Frissonnier. T'aimes beaucoup ce Pokémon, mais tu n'es pas très furé. Ah oui, en effet, ouais, c'est pas commun ça. Mur en 1 étoile. Il y a la 4. Ouais, la 4 parce que elle est plus dépliée. Whoopix, Obali. Magnifique photo. Non, c'est pareil. La 6. Oui, la 6, tout à fait. Sans hésitation, la 6. Et enfin, le type Loof. Ouais, la 2. La 2, mais pareil, sans trop de conviction. Je les passe vite, hein, là, je vais avoir le score. Cette photo est mieux, sérieusement? Ok. Allez, le niveau 3. Même pas? Il manque 6000. Il manque que 6000. Vous avez pris 10 000 photos. Au secours. Il manque que 6000, sérieusement? Bon, apparemment, il faut danser. Là.
Raté. Ah, enfin de face. C'est pas trop tôt. Il y avait un Pokémon bizarre là tout à l'heure. Là. J'arrive pas à la voir. Entraînement de rugissement entre Polagriffe et Polarume. Mais il est où Polarume d'ailleurs? Ah, il est là. J'ai pris la branche. Allez. Oui, la glissade. Non, pas encore la glissade. Ah non, c'est la montée d'abord. Pardon, je suis allé trop vite dans ma réflexion. Il y a le armure là-haut, là. Je sais pas si ça fera une bonne photo. Il y a eux là-bas, là. Ah, bonjour. Vas-y, prends la pomme, fais-toi plaisir, c'est gratuit. Et non, pas de pomme. Il y avait... Si, attendez. Ici, là. La marque à crin qu'il y a derrière, d'accord. Là, ça doit être la photo 4 étoiles du marque à crin, je pense. Allez, la glissade. Et on tourne la caméra vers le haut. J'arriverai pas à les avoir, ceux-là. Impossible. Allez, on accélère. Pas de choses derrière là. Mais y arriver, oui quand même. À la recherche du Evoli, du Evoli pardon, du Goupix. Ouais, ça se ressemble, Goupix Evoli. On court, on court, on court, on court. Petit plouf, un gros plan. Petit plouf, un gros plan. Oui. Nickel. Okay. Toi. Allez, vite. Je peux t'avoir. Il veut pas. Ah. Non, lui, il s'en fiche complètement des pommes. Mince, le Tiplouf, il regardait dans l'eau. Le Tiplouf regardait dans l'eau. S'il faut, il allait sauter. Il fallait faire une belle photo. Raté. Non, ça fera pas une meilleure photo. 4. Ouais, la 4. Polagriffe. 3009, 3003. Je tentais ça, mais sans conviction. Dimoréan, 1.
7. Ouais, la 7. Goopix. Bon, ben voilà, je n'ai pas de face. Hein. Polarume, on le voit quasiment pas. Hermure, on n'a qu'une. Mamouchon, voilà. Frissonnille. En 3. Si tu veux, écoute. Stal gamin. Il voulait voir où j'ai caché Sam. Ok, je retiens. Je retiens. Mais le pauvre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Sam, c'est mon mari dans Stardew Valley depuis hier soir, en fait. Donc la suite des aventures de Sam, en 15 jours. J'hésite. Allez, Sam. Tipouf. Tipouf, si Tipouf fait pas une meilleure photo, quand même, c'est bizarre. Ne pas parler de... me parlez pas de ça. Mais il est très bien. Vous voyez qu'on était tous ouverts, bienveillants, tout ça. Et là, Sam, il prend cher le poids. Comment ça, la photo de Goopix est moins bonne? Il bug. Ça se conteste, hein. Là... Ouais... Ça va pas faire un score énorme en fait là, j'y pense. Je sais pas si... Si, le niveau passe quand même, le niveau passe. Quand même. Le niveau il passe pas mais... On y retourne. Ça se joue à une photo. Une photo. Une seule. Il a les petites patounes. Bon, le nounours, on va avancer encore. Toi, c'est toi qui danse. Je me suis fait troll, quoi. Ah, il y a peut-être une meilleure photo. Allez, on avance. On avance, on avance. La photo en plein saut. Purée. Je la retiens. On avance encore. Toi. On avance. Allez. Ça le touche pas. Il y a un autre qui est tombé. Oh là là. Je sais pas comment avoir une meilleure photo de vous en fait. Non. Je sais pas. Allez, la glissade. Oui. Et sur la droite, direct. Oh là, oui, meilleure photo. Bon, il y a une meilleure photo.
Pas excellente, mais une meilleure photo quand même. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans, eux ? Voilà, ça ferait une photo. Nouvelle photo d'un sale gamin. Ah, attendez, il y avait quelque chose là-dedans. Non, sale gamin. Sale gamin encore. Ok, il réagit au radar, mais je pense que. Il y a une nouvelle photo mieux encore. Il y a un truc par terre. Ah non. Réveille-toi. Yes. Est-ce qu'on va chercher le Goopix? Allez, on va chercher le Goopix. Yes. Yes. Et il s'enfuit. Ah. Y'a quoi là-bas? Pas grand chose, d'accord. Et dans l'eau? Parce que du coup j'ai pas lancé de pomme dans l'eau. Normalement il y a des Magikarp à chaque fois. Que j'ai trouvé de l'eau dans peu importe la zone. Non, pas de Magikarp, d'accord. Des types poufs partout. Ah, vous allez faire quelque chose des types poufs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La qualité. Non, non, il y a qui pond, la qualité saute. Hein. Je viens d'avoir un bug sur mon retour. J'ai clairement eu un bug sur le retour. Donc, hein. Sur le stream en lui-même, sur Streamlabs, y a... ça a pas l'air d'avoir. Enfin, ça a l'air d'aller. Donc sur la VOD, je pense que ça ira. Par contre, sur Twitch en lui-même, non, non, clairement. Là, c'est pas bon, et là. Dans l'autre côté, ça va. Fouinard. 4000, 3000. On va essayer d'augmenter celle-là. Ça serait la 2. Ce serait la 2. Hein. Et par curiosité. Ah, putain, là, faut que je l'enregistre là. La 11, faut l'enregistrer, faites-moi y penser. Dimoré. La 8. La 8, la 8, la 8. Polagriffe. Polarume en 2. Frissonni. Alors, on a du 2008 ou du 2005. Ou alors... Ah, ça fera pas forcément une meilleure photo en fait. Hein. Pas sûr. Stal gamin en 2. Ben, la 6. Momartic en 2. Bah la 2. Ah ouais non la 2. Goopix en 2. Et Tiplouf. Tiplouf qualité 0 sur 20. Enfin peut-être pas 0 mais c'est pas ouf. Ah, bah 200 de plus pour le Fouinard. Ah, dommage. Ah, quand même. Nice timing. Plein de nouvelles photos là en fait. Hein. Bon, niveau clairement passe, vas-y. C'est 95 000.
95 000. Ça va être rude. Ça va être très rude. Des stalgamins inquiets. Quelque chose leur tombe dessus. Faut lever la tête dans la grotte. Les Oniglali pouvaient recouvrir leur corps d'une armure de glace. D'accord. J'ai cru voir quelque chose au sommet de la falaise. Mais là, c'était pas quand il y a le... Mince. Le violet rouge, je sais plus comment il s'appelle. Il saute, je pense que ça doit être ça. Ah, il y a encore d'autres missions. Ah oui, d'accord. Cache-cache dans la neige. Ce Paul Agriff a l'air de chercher quelque chose. Le petit, je pense. Message gravé. Ces marques, on dirait qu'elles ont été laissées par un Dimoré. Peut-être qu'un autre Dimoré pourrait sauver les chiffres. Ça, c'est au début. Marque à crin qui se... Marque à crin qui creuse. Il devrait y avoir une source d'eau chaude par ici. D'accord, je le retiens. Un mamochon ronchon. T'as vu ce mamochon face aux deux dimorés? Il se fusillait grave du regard. Il faut rapprocher les mamochons et les dimorés. Ah oui, avec vue sur la plaine. Oui, oui, en effet. Je viens de comprendre. ,000, ça fait beaucoup quand même. Pleine de nuit. Bon, enfin, tu me diras, il y a 95 000 là aussi. Mais bon, là c'est pour atteindre le niveau 3, là c'est pour atteindre le niveau 2. On va voir. Snap. Salut MX. Merci pour le follow, c'est gentil. Comment ça va MX? Et ouais, Pokémon Snap. Ouais. Ne bouge plus, toi! Depuis le temps que j'essaye de t'avoir, Tiplou. Les Tiplou sont en train de courir après un petit furet. Il y a un cas d'oiseau derrière. Ou dedans. Ouh, les deux! Là, il est là. Ils jouent tous à cache-cache. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que ça fonctionne? Oui, monsieur. D'accord. Alors, merci beaucoup, Amy. Sur un de mes retours, ça fonctionne. Sur l'autre, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je F5. Ah, il y a un message sur la box. D'accord, ok. La box m'indique clairement écrit dessus, internet réparé. J'ai même pas eu besoin de contacter l'opérateur pour le moment. C'est étrange. Donc en gros, l'opérateur a réagi avant même que je dise quoi que ce soit. Quoi. Attendez. Ouais, ça me met téléphone indisponible, mais je m'en fiche un peu du téléphone. J'ai pas de téléphone fixe. Alors. Je me garde mon portable à côté au cas où. Sur le téléphone, je suis pas sur la box, ça m'arrange. On va reprendre. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Je sais pas. Je leur enverrai un mail tout à l'heure pour savoir. S'il y a encore des soucis, parce qu'il y a encore un stream ce soir, j'aimerais bien ne pas avoir de crash en stream ce soir, vu que c'est du stream à plusieurs en plus. On verra bien. Bon, reprenons. J'espère que j'ai réagi à temps au moment où j'ai vu qu'il n'y avait plus de connexion, pour que vous n'ayez pas raté trop de choses.
Sachant que du coup, sur la VOD, je ne sais pas exactement comment ça va planter. On verra ça après. Donc, de retour sur le Twitch Diva Sound Studio. On est sur New Pokémon Snap et on est en pleine neige, en pleine montagne. Du coup, là, je suis en plein safari là, le moment où j'ai le sacrage. Donc on reprend. On fait ce qu'on peut. Ça m'a un peu décontenancé là, hein, je vous avoue. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est embêtant, mais c'est des choses qui arrivent. Est-ce que je peux avoir l'aigle en photo? Qu'est-ce qu'il fait, Sabero là? Attendez, est-ce qu'on peut le réveiller lui là-bas? Non, mais vous. Vous réagissez au radar, vous, par contre. Ok. On va voir. Non, il veut pas se tourner. Bon. Il ne veut pas se tourner. Voilà, je suis allé trop vite. Je suis perdu. Ah non, c'est ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, il y avait les Lipoutous. En haut aussi. Qu'un Lipoutou, ça mange des pommes. Apparemment, non. Magnifique. Magnifique Lipoutou. Ah mais il reste que 7 photos. 7 seulement. On accélère. Ah mais attendez, l'eau elle a gelé là. Je viens de m'en rendre compte. Non mais laissez-moi parler à Goopix. Pas centré. Ce n'est point centré. Qu'est-ce que... Oh, je t'ai pas vu passer. Pas content. Je vais vraiment me l'acheter. En plus que ce soit des souvenirs de ce que j'en ai vu, ils ont l'air vraiment bien fait. C'est un bel hommage au premier. Ouais, 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 complètement. Il est vraiment bien. Il y a... Bon, le lore, faut pas trop compter dessus, il y en a un peu plus que le premier, mais voilà, c'est vraiment un jeu de détente, de découverte des Pokémon aussi au passage. Il est vraiment bien. Oh mon dieu, les photos nulles des Tiplouf. Queenard. Voilà, la 5, la 4, allez, la 4. Graena, hein, une étoile. Il est plus un gros plan sur l'autre. Sablero, hein, une étoile. La 5, 4. La 5. Ah, quoique, attendez. Non, la 4, la 4. L'aigle, c'est bon. Stalgamin. Oh non, ça sera pas mieux ça. Ça sera pas mieux. J'irai la 3, mais. Je vais tenter la 3. Bizarroi. Elle est complètement ratée. Lipoutou. Non, une étoile. Sorbouboule en 2.
vais mettre la 2, c'est la seule qu'il y a. Goopix. Pas convaincu. Bon, Bali, j'ai complètement raté. Et Mamoukon. Non, Mamoukon, ça fera pas un grand score. Non. Ça va pas être un énorme score final. Ah, 21 000 quand même, hein. 21 000. Mais ouais, les 73 000 restants, rude. Rude, rude. Oh, magnifique photo de Sabero. Magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? L'oiseau est passé. Il est beau. Ouais, il est beau. Là, faut regarder au-dessus. Il y a quelque chose qui va se passer au-dessus. Pas plus que Fouinard, ouais. Là, il va sauter. Il va sauter. Yes! J'ai raté. Je l'ai complètement raté. Là, il y a un autre Sablero, là. En fait, les Sablero, ça va, ils sont pas compliqués à avoir. Là, il y en a un. Attendez, il a crié. Il a crié, je l'ai raté. Je l'ai complètement raté. Ouais, on verra. Toi, je sais pas comment t'avoir correctement là-haut. Il y a une photo spécifique à faire avec toi, mais alors là où je sais pas exactement. Hurle à la lune, petite alpha. Alors si tu dis à un alpha qu'il est petit, pas sûr qu'il le prenne bien. Là, il n'y a pas les Pokémon de tout à l'heure, là. Hélibouchou. Il n'y a pas quelque chose sur les côtés. Attendez, il y avait un truc aussi là-haut. Est-ce que ça tombe? Et je suis pas sûr, hein, en vrai. Mais il y a un Pokémon là. Frissonnille. D'accord. Il y en a partout en fait.
C'est ça qui doit tomber. D'accord, mais c'est un Pokémon chenille, j'avais pas compris. D'accord. Viens là, toi. Bon, allez, stop les 10 photos, ça fait 12 photos. D'où le nom. Oui, c'est vrai, j'aurais pu réfléchir avec la syntaxe. L'oiseau, il est là-haut. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Belle de neige. Découvre des choses. Ah oui, il y a Goofy. Voilà, vous. C'est raté. J'ai vu une ombre passer. Ok, c'est l'aigle. Il n'y a pas que l'aigle. Il y a les pipillons. Des belles de neige. Je vois pas ce que ça peut être comme Pokémon, ça. C'est un insecte, c'est un poisson. D'accord. Allez, pour le... Ah, j'ai raté. Bah, je sais pas, on dirait un insecte poisson ray. Belle de neige. Ouais, insecte, mais... C'est un papillon. Ah, il y a une meilleure photo avec lui, là. Hop, 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 c'est pas celle-là que je voulais choisir. Non, on va rester avec celle-là. Sablero, en 1, en 2. Ah, les deux, elles sont mieux. Mais c'est celle-là qui va apporter le plus. Alors. La 7. La 3 ou la 5? Allez, la 3. Prismillon. Je l'avais pas en 3 étoiles, le Prismillon? Sérieux? Ok, gratuit. Fouinard. 3009. 3... Ah, ouais, voilà. Bon, photo ratée. Hein, c'est pis, c'est pas grave. J'ai raté plusieurs gènes de Pokémon. J'aime bien la 7, ouais, ouais. Désolé. Au niveau de génération de Pokémon, je suis pas très calé. La 1, oui, clairement. La 2, ça va. La 3, ça va un peu moins. La 4, ouais. Et après, je suis complètement largué. Non, Alola, ça va. Alola, ça va. Stalgamon. Sony en 2. La 8. La 7. La 7. Sorbouboule en 3. Lipoutou. Pardon, mais Lipoutou, quoi. Bon, attendez. Alors, il y a Saint-là qui est mieux. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un meilleur score à la base. Non mais... Ça va, il y en a juste mis... Ouais. Il est magnifique. Il est magnifique. Je dois juste tenir jusqu'à la troisième génération après jouer. Mais Lipoutou, j'ai juste envie de le mettre sur Twitter et de taguer Céline Dion dessus, quoi. Bon, soyons sérieux. C'est le score qui doit augmenter. Allez, on va mettre ça là, pour le score. Elle va être contente, dis donc. Ah ben, elle doit être honorée, attends. Alors, je suis désolé, on dirait un poisson.
Goopix. Goopix, c'est quand même meilleure photo, Goopix. 2000 ou 3000. Ah bon, c'est celle-là qu'il va falloir prendre. Et au Bali. Ça se joue à rien. Ça, c'était pas visible. Nice timing. Ah. J'ai bien fait. Hey, une bonne photo quand même. Best timing. Et enfin Goopix. C'est même pas du 4000. Ah ok. T'as pas non plus 4 étoiles pour Prismillon. J'ai pas fait gaffe. Je suis allé un peu vite là, j'ai pas fait gaffe. Mais du coup, si tu le dis, je te crois. 19000. Est-ce qu'on fera mieux? Je sais pas. Ah, nouvelle mission! Il y a des nouvelles missions. Je jette un œil à la box au passage au cas où. J'ai un peu peur. Comme un rêve enneigé. Tu as déjà vu un bel de neige parsemer ses écailles poudreuses. On croirait voir de la neige tomber. C'est un vrai spectacle. Ok. J'ai pas fait beaucoup de missions là, par contre. Hein. Elles s'accumulent. Il y a trop de Pokémon qui apparaissent en même temps. Il faut avoir l'objectif d'améliorer les photos. Non, c'est pas fait. Sablero, on va attendre un petit peu. Ok. Voilà. Et là, il n'y en a pas mieux de Sablero. C'est qu'un souci quand même. Allez, on descend. Non, on monte. C'est d'abord la montée. Ah oui, il va sauter. J'ai eu. Une photo ratée, mais je l'ai eu quand même. Bonjour l'aigle. Attendez, il y a l'histoire de l'alpha aussi là-haut. Qu'est-ce que tu fais toi là-haut? Ah, ça y est, il arrive. Aouh! Yes! C'est bon, il fait aouh. Allez, on avance. Stalgama. Comment est-ce que je peux vous améliorer ou voir la dernière photo qui me manque avec vous? Non, ça ne danse pas, Stalgama. Là-haut. Non.
Alors, je retiens qu'il y avait des Pokémon accrochés là-haut, là. Il n'y en a pas qu'un, même. Ah bah tiens, une belle de neige. Toi. Et celui du stalactite peut-être. Les Liboutou, on les a pas mal. Ouais, est-ce que je peux t'avoir autrement toi encore? Pas, n'oublie pas ZR. Ouais, ouais, je regarde. J'appuie dessus. Ah, lui. Voilà. L'aigle. Marque à crin, la fleur. Ils vont. Il y avait des marques à crin qui se déplaçaient. Oh, attendez. Non, j'ai appuyé. Je sais pas si la photo est passée. Je sais pas du tout. Je faisais exprès de vouloir bien la cadrer et tout. Ah, flûte. On verra. Je sais pas. Graiena. 4 étoiles du Graiena. C'est un oui. Je dirais ça là, elle est plus centrée, mais Mamoufon, magnifique photo. Sûrement la meilleure photo de toutes les photos que j'ai faites depuis le début. C'est pas vrai. Alors toi, il n'y a que du 3 étoiles. Pour améliorer du 4358, ça va être dur par contre. Donc je dirais... ça là. Ouais, t'as vu le gros plan. Sablero, en une, il est déjà à 4000. En deux, c'est pas le cas. On peut faire quelque chose. Ou pas. On va tenter quand même. Fouinard, quand il saute. Oh, ça sera mauvais. Bon, bah tant pis. T'as le gamin. Roi. Tentez ça là. Belle de neige en 3. Frissonnie en 1. Ouais, je pense que oui. On peut l'améliorer. Le sorbet, l'Ipitou. L'aigle. Là, du tout l'obalis, il n'y en a qu'une. Marque à crin, il n'y en a qu'une. Et aucune donnée, c'est le sablero. Que va nous dire le prof? Suspense. Ah, mission réussie, cool. Nice timing.
Tu m'étonnes. Amélioration sur le stall gamin. Ça, c'est chouette. Il manque la 4 étoiles du stall gamin. Sérieux, c'est une... Mais Tipouf, c'est hyper difficile, hein. Quand même. Combien? 21 000, il manque 33 000 et ça devient de plus en plus difficile. Je dirais 3 passages encore. On rentre à la base pour valider la mission quand même. Allez. Ah, ici. Hurlement à la meute. Pour une sacoche, quoi. Déception. Allez, 33 000. Faut viser le prochain niveau de ça. Ça va être l'objectif. L'objectif d'ici la fin de stream, c'est de passer le niveau de nuit. Et j'espère qu'il n'y a pas un niveau encore au-dessus. Parce que sinon, ça va être hyper difficile. Quoi. Qu'est-ce que... D'accord, mais tout à l'heure, ça l'a pas... Le radar, il a pas réagi à ça. C'était nouveau. Alors là-haut. On accélère. Raté. Raté, raté. L'aigle. Ah mais l'aigle. Sablero. Tu réagis à ça, tu peux pas? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu réagis. Ah! Une fleur de cristal. Mais pourquoi le radar il réagit pas tout à l'heure? Si ça s'est passé. En fait, j'essaye d'avoir le sablero quand il saute et qu'il se met en boule. Allez, la glissade. La surprise du jour, c'était Goupix.
qui va vers la pomme. Oui. Il a mis la pomme dans son sac. Là-bas, il y a des types loups. Si je regarde comme ça en arrière. Il est où le Pokémon bizarre là? Lui. Il y a un truc là-haut là. Il y a un truc qui est tombé. Ah, c'est ma pomme. Pardon. C'est juste ma pomme. Quatre oiseaux en 3. Allez, c'est parti. Graiena, il n'y en a qu'une. Stalgamin en 4. Bon, mais Stalgamin, c'est fini, je pense. Alors, Sablerou en 1. Alors, j'ai le choix entre améliorer 4151 ou 4152. Ça va pas se jouer à grand chose. À 11. Pour l'instant, c'est la 10 ou la 11 pour la 1, ou alors. Ouais, non, ce serait la 10 ou la 11. La 11. Mamofon. En Fouinard, voilà. Goupix en 3. La 5. Allez, ça va pour la 5. Pissonnille. Photo nulle, je pense. Belle de neige, il n'y en a qu'une. Tipou. Non, Tipou, ça va pas s'améliorer. Obali. Et l'aigle. On va voir, on verra bien. Dommage. Ah, amélioration sur le Sablerou, cool. Mamofon, amélioration. Ah, ok. Au passage de Pix. Bon, petit score. Et je dirais 12 000. 10 000. Bon, 11 000, quasiment 11 000. Et il reste 22 000. Et de nouveau, ça se resserre là. 22 000. Il faut que j'aille chercher les photos avec les étoiles manquantes. Alors là, je sais pas. Ça, le truc, c'est que je ne sais pas.
C'est vous. Il y a un bel de neige dans l'arbre? Non, il est là-haut. Je vois rien. Sablé roux, on va pas le chercher, par contre, là. Oui. J'ai perdu le bel de neige. C'est pas grave. Toi, quand tu sautes, je veux une belle photo de toi quand tu sautes. Raté, j'ai fait la même photo que il y a 10 minutes. Quoi. Il est super difficile à avoir. Attendez, dedans. Dans le feu. Il y a rien dans le creux. Encore une fleur. Rien d'intéressant. L'aigle qui tournait. Sablero qui... Il s'est pris pour une motoneige. Sablero, c'est une motoneige. Voilà, chacun sa reconversion professionnelle. Sablero est une motoneige. Mais en fait, toi, te réveiller là, ça sert à t'avoir à la fin. Je pense. Mais vous discutez. Ils étaient en train de discuter. Alors Goupix. Goupix est sur la droite. Peut-être. C'est bon. Ensuite, là-haut, il y avait toi. Bon, là, s'il n'y a pas une meilleure photo de toi, quand même. Il me fait flipper ce sorbet. On lit pour tout, on verra plus tard. Les types plouf. Il y a un truc qui glisse là-bas. J'ai vu un truc glisser. Hein. Toi! Toi, je t'ai pas correctement. La réunion. Mochon, je l'ai en plein de fois. Il me manque une des étoiles, je pense. Oh. Ok, il a fait de la neige. On a la photo qu'il faut. Vite, c'est la fin. Et voilà, c'était bien la fin. Amélioration. Aussi, enfin des étoiles manquantes, ça c'est chouette. Rayena. Voilà. Belle de neige. 4 étoiles. Stal gamin. Ah mince. Ça va pas être une super amélioration ça. 5. Mais en fait, ouais, non, ça va pas fonctionner, le sale gamin.
Bon, Fouinard, voilà, hein, je sais plus quoi faire avec toi. Sœur Bouboule, hein, 4257, une étoile, ou 4340. Je vais mettre la une étoile. Obali. Sablero en 3, ouais c'est ça, c'est la motoneige. La motoneige, ça fait tout le boulot. Blizzarois en 12. Ça va être la 12. Oh oui, ça va être la 12. Goupix. Il y a de l'amélioration possible. Il est plus centré, plus cadré. Ou alors... tenter ça, le score est quand même plus rattrapable sur ça. Toi, 3500. Ce serait la 1. Ou alors, 3900. Non. On va rester sur la 1 étoile, du coup la 1. Et la fleur de cristal. Ouais, c'est que pour le professeur, hein, c'est... voilà. Sérieux? L'ancienne photo est à 3522, la nouvelle est à 3521. Bon, Graina, il y a un change, ça c'était évident. Belle de neige, nouvelle photo, mission accomplie. Pas un gros score, hein, par contre. Ça, c'est évident aussi. Fouinard. Bon, ben voilà. Hein. Le sorbet. Oh! C'est pas une meilleure photo du sorbet. Je préfère la deuxième, hein, mais bon, ok. Ouais, t'es pas sympa pour la photo. Sablero, nouvelle photo. Ok, amélioration. Plus amélioration. Sony, bon ben voilà. Combien? 10 000? 7 000. 7 000. Et il reste quasiment 15 000. On va y arriver. On va y arriver. 15 000. Allez. Faut trouver comment faire agir les Pokémon pour débloquer les photos manquantes. Alors, qu'est-ce que j'ai peu utilisé? La musique. Belle de neige là, que j'avais croisé tout à l'heure. Ouais, il est là. Là, on est d'accord, il y a une ombre. Oh! C'est quoi qui est tombé? Un dimoré. Désolé, Dimoré, je suis vraiment désolé. Je suis descendu au bar prendre un café, je me suis retrouvé à bosser pendant une heure. Ah, bravo, Kotraf. Ça va, comment ça s'est passé? Enfin, si tu peux relever un peu l'ambiance du café, ça y est, c'est ouvert. Ça se passe bien, enfin, l'ambiance, le moral, tout ça. Oh, je passe au café associatif, moi, d'ailleurs. Ça fait un moment que je suis pas. Allé.
Alors, vous, vous discutiez tout à l'heure. Alors, attendez. Il y a quelque chose à faire avec vous là-haut. Allez. Pour le moment, c'est la mise en place. On ouvre la terrasse demain. D'accord, ok. Dis-moi que les clients... Ouais, c'est vrai. Bientôt la reprise pour Yaki. En vrai, ils ont tous l'air de se jeter une bonne bière. Il a réagi. Il a réagi. On dirait le Père Noël et ses lutins. Et là-haut, il n'y a rien. Ouais, là-haut, il n'y a rien. Bon alors, Goopix, je sais pas trop. À moins de lui faire manger la pomme. Dans ce cas... Pomme, 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 spam la pomme, spam la pomme, spam la pomme. Et réveille-toi, la pomme. Danse. Il s'est barré. Ah! Au secours. Toi là-haut, je sais pas. On va faire réagir les lipoufins. Si j'y arrive. Et il me reste que cette photo là. Ça veut pas réagir sur la pomme. Ils veulent pas réagir sur la pomme. Je sais pas quelle photo il faut prendre des Liputu dans ce cas. Je sais pas. Ah, j'ai vu passer quelque chose là-haut. Toi, mais toi, voilà quoi. Pas confiance pour le Goopix. Allez, une photo, qu'est-ce qu'on fait? Le gars d'oiseau. Il va bien réagir à un truc. Voilà. Bon, la box a l'air de tenir. Alors, cas d'oiseau. Sur le cas d'oiseau, sur la 4. Ou alors... Non, ce sera la 4. Tipouf en 2. En... Quinard en 4. D'accord. Belle de neige. Il n'y a pas trop le choix. Au Bali. Dimoré, Dimoré en 4, je suis désolé, Dimoré, vraiment désolé. La 9, la 8, la 5, la 8, la 5, la 5. Sablero. Le mode nuit avec sa bureau, mais pas confiant. Rihanna, Bizarroi en 1. Plutôt prendre quelque chose comme ça. Il y aurait la 11, plutôt la 10.
La 5. Non, la 10. Ah, je sais pas. La 10 pour le cadrage. Goopix. Ça là est mieux. Alors là, du coup, ça serait la 5 ou alors. Non, faut améliorer celle-là. Faut absolument améliorer celle-là. Et Liputou, on a du une étoile. Plus intéressant. Ou en 4 étoiles. Il est déjà à 4600, ça va être difficile. Il est à 4004 là. Bon, on va tenter une amélioration. Ok. Pour le cas d'oiseau, on est bon. Poche complète. Le fouinard. Il manque la 3 étoiles là du fouinard. Hein. C'est quand il danse. Pas de beaucoup. Ah, dommage pour le Liputou. Mais normalement, le niveau passe. Normalement. Il y a eu deux nouvelles photos plus des améliorations. Ah mince, non, c'était 14 000. Eh mince, mais non, okay, je pensais qu'il restait 7 000, pardon. Du coup, il manque 3634. C'est possible. 3634. Si je fais la même chose et qu'il reste 100, 200, 300 points, c'est que le jeu il m'en veut. Bon, les types loufs, ils ont réagi comme ça tout à l'heure. Il y a le cas d'oiseau qui est derrière. Pourquoi j'ai pris une photo du vide là? Oh. Il y a un cas d'oiseau. Ok. Pourquoi c'est dans ce trou là? Ah non, il y a lui là. Il est pas tombé? Oh, il est pas tombé. Tombe. Allez. Non, raté. Raté pour le Dimoré. Toi, t'as eu le temps de sauter au passage. Bon, Sablero. Comment je peux améliorer les photos ici? Je sais pas, j'ai tenté quelque chose, je sais pas.
copain, Liputo. Pas sûr. Un truc qui m'est passé devant là, non? Non. Oh, il saute. C'est un Liputo qui saute. Ok. Oh, il y a une nouvelle photo d'un Liputo. Quoi, là-haut, il y a un truc à faire. Il réagit ou pas? Il réagit, mais je sais pas ce qu'il fait. Et après, il se rendort. Ok. Là, il y a le cas. Ah, oui. Finito. Je pense qu'il y a des améliorations de photos, un petit peu. Et une nouvelle photo d'un Liputo. Peut-être type louf, amélioration. Je suis pas sûr. Ah non, pas de nouvelle photo de Liputo. Ok. Bon, bah... pas des bonnes photos hein. Ouais, il y a le cas d'oiseau à la limite. Non. Mauvais safari là. Allez, la une. Marque à craint. Si jamais il y a plus de 1000 là, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, ça part mal. Sur le cas d'oiseau. Okay. Bon, il n'y a plus de 1000. 1500 peut-être. Plus 1500. Ok. 5000. Et niveau max, pardon, je viens de recapter, mais niveau max. Niveau max. Pour l'émission. Ouais.
on va retourner à la pleine frisquette du jour, histoire d'avancer un petit peu tous ces milliers de points d'XP à avoir. Il se cache. C'est pas Fouinard que je vais voir là, c'est Dimoré en fait. Pas dire que c'est pas des bonnes photos là. Oh, il a fait pousser un champignon. Alors ça. En plein vol, hein. Mais ça fera pas une super photo. Les armures. Oh bonjour. Il s'est posé. Ah non, c'est un Givrali. C'est juste un Givrali en fait. Non, c'est pas juste un Givrali, c'est Givrali. Ok. Ça fait un nouveau Pokémon. Alors, il y a quelque chose là-haut. Ou pas. Est-ce que tu manges, oiseau? Ah, l'oiseau mange? Oui, l'oiseau va manger. Yes. Oh, il m'a fait peur. S'est transformé. Je sais pas ce qu'il a fait se transformer, mais il s'est transformé. Ok. Le Pix qui joue avec le marque à crin. Je m'attendais pas à avoir un Givrali. Enfin, je m'attendais pas. En réfléchissant, si on pouvait s'y attendre, parce qu'on a croisé des évolutions d'Evoli quasiment partout. Et je me souvenais plus de tout ça, et c'est vrai que Givrali, c'est un peu surpris. Ça m'a surpris. Alors. 3000.
1913 ou alors en 2900. La 7. Ouais. Fouinard qui fait un photobombe, je crois. Marc à crin. J'aime bien la photo avec le champignon. Ovalie, il n'y en a qu'une. Givrali. Que des photos en 1. La 6. Frissonnille. Sans conviction. Hermur. 3500. 4008. Ah ouais, non, mais ça va être ça là. Et encore, je suis pas sûr. Onigali. Alors là, par contre, il y a le choix entre tout. Absolument tout. Il n'y en a qu'une en 3. Du coup, on va partir sur ça. Et on fait un Goopix 3008 ou 3004. Non. Ça va pas être très très bon. Ah, bah, je crois qu'on en a trouvé la nouvelle photo de Krista, de fleur de Krista. Définitive. Allez, go. Et on prend la nouvelle, bien sûr, évidemment. Combien ça fait, ça? Plus 10 000 seulement. On recommence. Parce qu'il y a les deux Oniglali qui peuvent... ça peut apporter 10 000, ça. Non, peut-être pas 10 000, on va pas exagérer. Oh, bonjour. Ça, c'est la photo du déchiffrage. Ah oui, je suis d'accord avec ce déchiffrage. Oh oui, tout à fait. Là-haut, je sais pas ce qu'il y a là. Non, c'est juste une branche. Ok, c'est pas grave, c'est qu'une branche. Je deviens fou. Le papillon. Mais le papillon, on peut l'apercevoir là-dedans, je crois. Bingo. Oiseau. Complètement raté. Alors on va avancer, on va essayer d'attraper Givrali. Balade sur la côte. Cours. Allez, on continue de tomber.
excusez-nous, on passe. Il y a quelque chose là-bas. Il y avait quelque chose. Ouais, il y avait bien quelque chose. Ok. Allez, on avance. Ah, il y a deux goupix. D'accord. Et toi là-bas. Oui, c'est bien, tu te lâches la patte, je t'ai lancé une pomme en fait. Allez. Ah. Non. Il s'en fiche complètement. Bon, un bon score, s'il vous plaît. Bien sûr. 3965 face à 3003 au bas. Le choix est vite fait. 7. 7. Fouinard. Purée, c'est que du 1. Ira pas. Dimoré. 3000, 4000. Alors, je dois lire l'arbre. La 11. Non, la 10 est mieux cadrée. Ce sera la 10. Marc à crin. C'est juste comme ça. Goupix. Million. Je les ai toutes ratées en fait. Bon bah au pire. Un mouchon, j'ai la 3. Ouais, la 3. Momartique. Oniglali. La 2. Bon, la 4 étoiles, j'ai bien compris que c'était quand il est avec l'armure givrée. Ça fera pas 10 000 à part. On est peut-être déjà à 2000. Mission accomplie. Mission accomplie. Best timing. Presque 400. On y retourne parce que je comprends comment prendre la photo de du Oniglali. Oniglali ou Onigagli, je sais plus. Je ne sais plus, mais j'ai compris comment la prendre. Où est l'ours?
quelque chose. Oh! Sors de là! J'ai raté le fouinard qui sort du truc ici. Bon. C'est pas grave. Allez. Focus l'oiseau, tiens. Hermure qui va passer. Raté. J'ai raté. Attends, t'as fait un truc bizarre et t'es pas de toi. Et ta moustache. Et il va manger la pomme. Il a pas mangé la pomme. Ah! Oui! Yes! Ok. Givrali, oh, trop tard pour Givrali. Allez, on accélère. Pardon, les sales gamins, poussez-vous. Il y avait quelque chose là. Ah, je suis pas sûr en fait. Qu'est-ce que. Il s'éclate, j'ai pas compris pourquoi, mais il s'éclate. Oniglali, ouais, c'est ça. Que Givrali est par. Il n'y a pas Givrali. Oh, dommage. Il n'y a pas de Givrali. Pas de Givrali. Jouer sur la 3. Oh la griffe. X 3008, 3007, 3004. Non. La 5. La 5 peut être un peu mieux. Oh la rhume. 3. C'est la 9. Hein. Ouais, c'est la 9. J'ai mis la 9. La 9. Voilà. Hermure complètement ratée. Mamouchon en 2. Ouais.
10, mais sans conviction aucune. 4002 face à 3006. Onigali en 4. Elles sont toutes ratées. Par défaut, elle a 7. Obali. On va voir. À 0,2 points. Belle photo du goupil. Yes. Ça c'est bon. Attention au passage. Bon, ça, voilà. Main bouffon, on est bon. Sale gamin, il y a de l'amélioration. Onigali, on est très bon. Ah oui, quand même, 4600. Hein. Obali. Et combien du coup au total? 12 000? Et il reste 59 000. C'est beaucoup. Allez, on rentre à la base, on vérifie les missions. Voir ce qui est bon et ce qui ne l'est plus. Enfin, ce qui est bon. Ce qui est validé et s'il y a des nouvelles missions, quoi. Il n'y a pas de ce qui n'est plus en fait. Ah, ça c'est fait. J'ai pas eu de récompense. Quelle arnaque. Vue sur la plaine. C'est donc un givrali. Cache-cache dans la neige. Il cherchait son petit. La mission en est bon. Allez, on va faire un tour à l'album photo. Il doit être bien rempli maintenant, l'album photo. Ah oui, il y a beaucoup à faire en fait. Même au fond, il manquera la 4. Polarum, il manquera la 4 aussi. Polarum, c'est pas des bons scores là par contre. Marc Acrin, il en manque 2. Momartic, il manque la 4. Dimoré, il manque la 3. Polagriff, il manque la 4. Givrali, il y en a qu'une. Hein. Amélioration sur Givrali, mais par contre, comment? Hermure. Sorgouboule. Quatre oiseaux. Quinard, le magnifique. Cette photo. Ah, il manque la 3 et la 4 sur Bizarroi quand même. Petit pouf. Petit pouf, franchement, c'est pas des bonnes photos du tout. Hein. Belle de neige. Alors c'est quoi ça, belle de neige? Pokémon mythe givre, glace insecte. Quiconque ose souiller les étendues enneigées s'expose au châtiment de ses écailles gelées. Il paraît que sa manière de voler est si gracieuse qu'elle apaise le cœur de ceux qui l'observent. C'est vrai que, vu comme ça, il a quand même l'air plus gracieux que sur les photos qui ont été prises. Ça, c'est clair. Bon, tablero d'Alola, glace acier. Le guerrier aigle, pas de description. Lipoutou. Non mais cette photo du Lipoutou, quoi. Frissoni, manque la 4. C'est quoi Frissoni, Pokémon vert? Il s'accroche à un arbre avec un fil pour dormir en toute sécurité. Quand il est surpris, il s'enfuit dans la neige à toute vitesse. Ça veut dire qu'on peut le trouver dans les arbres.
faut que je fasse attention aux arbres du coup. Graiena. Magnifique. Pokémon morsure, ténèbres. Les Graiena vivent en meute très hiérarchisée. Quand le meneur aboie, les autres limitent pour communiquer avec leurs compagnons éloignés. Prismillon en 3. Il manque bien la 4. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Attends, 7. J'en ai eu 2 là. Je me souviens absolument pas de celui-là. Je sais plus où est-ce que je l'ai vu. Obali. Pokémon clap clap. Ok, et sans description. Allez, jetons un œil à la carte. Ça fait pas tant de Pokémon que ça par rapport à d'autres zones. En vrai. En même temps, tout ça là, c'est le trajet du tunnel du canyon. Et de la grotte. Donc, ouais. Givrali est en plein milieu quasiment. Attendez, le départ il est là. Canyon. Grotte. La grotte c'est ici. Il y a peut-être un. Attendez, il n'y a pas un deuxième passage là? Ici là, entre la fleur et le marc à crin, il y a un passage qui peut nous amener ici. Et du coup, ça nous ferait tomber là. Il y a un deuxième passage. J'en suis persuadé, il y a un deuxième passage. On va vérifier. Et de nuit pareil, du coup. Très probablement de nuit pareil. Ah, il est là, le Prismillon blanc. Du coup, Prismillon bleu, il est là. Ah oui, c'est ça. D'accord. Ouais, il y a un deuxième passage. Allez, jetons un oeil au titre du jour. Ah non, c'est après. Fleur de cristal, magnifique. Magnifique. On va passer au photodex. Ah, il y a eu du follow, pardon. Antoine le BG du 83. Eh bien, merci beaucoup, Antoine le BG du 83 pour le follow. C'est très gentil. Allez, les titres. On a un score photodex de presque 2 millions. La prochaine fois, il y a le 2 millions qui tombe. Vous avez effectué votre première mission à Adamantia, première mission d'exploration, 10 000 photos, dont 800 aujourd'hui. Vous avez 150 photos 2 étoiles et 150 photos 1 étoile. Combien là les autres d'ailleurs? Je suis à 126 sur 150 dans le 3 étoiles, 58 sur 150 dans le 4. Ah ouais, le 4 étoiles, il en manque beaucoup en fait. Beaucoup. Photographe pro, 150 photos, 150 Pokémon au total, enfin plus maintenant. Type glace, type vol. Détective, 60 zones avec le radar. La fiche perso, c'est les autocollants, on s'en fiche. Allez, direction l'Instagram Pokémon. Mondial pour un score total en France de... Ah, 1449, et j'ai bien augmenté hein. Franchement, c'est pas mal. Alors, j'ai 864 médailles pommes. Qu'est-ce que j'enlève?
Celle-là, je l'ai mis la dernière fois, je vais la garder. 98, 107, 140, 112. Je vais enlever celle-là. Pour mettre une des photos du jour. Peut-être mettre les poutous. Alors j'ai dit poutous par contre. Ouais. Description. Est-ce que ça rentrera en direct? Point d'exclamation. Mettre en ligne. Oui. Et est-ce que j'enlèverai pas une de ceux-là? 112, 140. Elles sont quand même très colorées ces photos, elles fonctionnent bien. Je vais les garder, je vais quand même les garder, on verra la prochaine fois si on rechange certaines choses. Sur ce, je vais vous laisser là. Comme à chaque fin de stream, vous savez, dès qu'il y a l'Instagram Pokémon qui apparaît, c'est que la fin approche. Je vous retrouve ce soir à 21h avec plein de copains et de copines pour... à bon parti tous ensemble sur Discord. Si vous voulez nous rejoindre, il y a encore un peu de place d'ailleurs. Donc hop là, je mets le Discord dans le chat. Discord. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à papoter avec nous. Sinon, prochain stream Pokémon après-demain, donc jeudi après-midi à 14h, et on ira sur la nouvelle zone. Donc apparemment, c'est une grotte. Je sais pas trop à quoi m'attendre dedans, des Pokémon Rush, peut-être combat, glace aussi, forcément, on est dans la montagne encore. On va voir ce qui nous attend. Et on poursuivra un petit peu, peut-être d'autres zones, si jamais on voit que c'est rapide. J'attends toujours d'avoir accès au récif de nuit. Comme ça, on fera un stream complet sur la plage de nuit et le récif de nuit. Donc ce soir, 21h, bonne partie, soyez là. Jeudi 14h, la suite de New Pokémon Snap, en attendant. Pensez à follow pour être notifié des prochains streams. Rejoignez le Discord, les réseaux sociaux. Bonne fin d'après-midi. Cordialement, bisous. À ce soir, hein, ce soir. Hein.